Vianney est un gros romantique. Le chanteur et interprète de Véronica est connu pour ses chansons à l'eau de rose, relatant ses péripéties amoureuses. Ce lundi 27 février, l'artiste a ainsi partagé un bout de son histoire avec ses fans. Sur son compte Twitter, on découvre ainsi un morceau de papier sur lequel est inscrit un message manuscrit. Rédigé durant son adolescence. Quand à 12 ans j'étais déjà un bonhomme, a marqué en légende de la publication le chanteur. Est-ce que tu m'aimes? Réponds-moi sur le chemin du retour. Si tu me fais un clin d'œil sur le chemin, ça veut dire, oui. Si tu me demandes un bout de papier, ça veut dire, non. Peut-on lire sur le papier, d'une écriture enfantine? La publication a bien fait rire les internautes, qui ont immédiatement voulu connaître la décision de la jeune fille convoitée. Oui ou non? Ses fans veulent savoir. D'autres ont salué sa maîtrise de la langue française et sa capacité à allier les mots avec brio. En extase devant cette impeccable maîtrise de la langue. Après l'admiration, l'adoration. La vénération. Hashtag adorable, cesse d'enthousiasmer une internaute. Mais je craque si est trop mignon. T'es adorable. A plébiscité une autre. En décembre dernier, le chanteur avait déclaré sur le plateau de On n'est pas couché ne pas être insensible au charme de la journaliste Vanessa Burgraff. J'aurais jamais fait le premier pas moi-même, alors merci beaucoup, avait-il déclaré.